Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YS TV et sur la scène créole de la MBC pour ce nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire CJSOI, la route des champions. Un magazine, vous le savez, consacré à la 12e édition des Jeux de la CJSOI, un événement que Maurice accueille pour la 3e fois. Ce sera du 4 au 11 décembre prochain, 12 disciplines sportives concernées, mais un volet spécial également au concours culturel pour cet événement réservé, on vous le rappelle, pour les jeunes âgés entre 14 et 17 ans. Alors les pays participants, rappelons-le, Maurice, bien sûr, comme pays hôte. On a aussi les Comores, le Djibouti, Madagascar, Mayotte, la Réunion et les Seychelles. Alors, sur notre plateau aujourd'hui, on a deux invités, surtout concernant le domaine médical. On a Pravin Doman, qui est le Doping Control Officer. Donc, Monsieur Doman, merci. Au besoin de nous, le plateau MBC Azodi. Vous êtes responsable de la commission antidopage. Également avec nous, Azodi, le docteur Adisha Bola, qui, elle est responsable de la commission médicale. Docteur Adisha Bola, merci et bonsoir. Bonsoir, Jessie. Merci beaucoup. On accueille nous le plateau. Donc, toutes les semaines, tous les jeudis soirs, nous essayons d'amener un petit peu éclairage, donner un petit peu le public un peu plus détail, donner un peu d'informations concernant les jeux de la CJSOI. Nous connaissons, il y a beaucoup de monde connaît les jeux des îles, mais les jeux de la CJSOI, il est tout aussi important. C'est une compétition âgée pour un jeune entre 14 et 17 ans. Alors, durant la semaine écoulée, il y a plusieurs événements. Il y a un side visit, il y a un représentant de un pays participant qui vient de Maurice. Il y a un site visit, il y a une réunion ministérielle. Donc, Zofine fait un constat des lieux, constat de l'infrastructure à côté pour une compétition. Il y a aussi le dernier carnaval, le quatrième et dernier carnaval organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça fait dans Maïbou. Tout à l'heure, nous vous proposons un reportage. Vous regardez cette bande d'images très riche en couleurs. Là. Première question à vous, docteur Adisha Bola, nous faisons dire responsable de la commission médicale. Alors, présente-nous une petite présentation concernant sa commission-là. Qui se fait, à combien de personnes qui est impliquée là-dedans, donc qui se rôle? Alors, la commission médicale, la responsabilité de la commission médicale et le rôle de la commission médicale, c'est prendre en charge l'aspect, comment nous dire, médical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on nous connaît dans plusieurs jeux, beaucoup de pays sont venus avec une délégation et avec la délégation, ils sont venus avec l'équipe médicale. Mm-hmm. Nous, la commission médicale en soi, elle encadre tout le monde médical qui vient, oui. Tout le monde personnel médical qui vient. Et en sus de ça, elle donne un service à tout le monde athlète qui l'a. Par exemple, mettons, il y a un athlète qui est blessé, bien sûr, il peut être vu par ce médecin de délégation. Oui. Et nous là pour donner tout le support qui est besoin à l'équipe médicale et aussi à cet athlète-là. D'accord. Ouais. Nous pourrions venir, bien sûr, en détail sur votre rôle en cours et qu'ils ont fait exactement aussi pendant les Jeux du 4 au 11 décembre. Pravin Doman, responsable de la commission antidopage, présente-nous sa commission. Il paraît très intéressant quand nous dit commission antidopage. Donne-nous un petit peu pour sa jeu, ces JSOI-là, qu'ils ont pu faire. Et d'abord, une petite présentation de la commission. Au fait, la commission antidopage, nous sommes là pour faire programme d'éducation qui, d'ailleurs, nous finit commencer avec toutes les fédérations concernées par ce jeu-là. Mm-hmm. Donc, à chaque petit rassemblement, dans toutes fédérations concernées, nous donnons un programme d'éducation qui ne produit pas besoin de prendre, qui sont les faits. Right? Comme ça, si vous finissez ces ISO, ils viennent dans le signaux. Comme ça, vous êtes encore conscientisé qui pas besoin de prendre, qui les fait et qui va. Qui m'a une sanction et n'a contre l'antidopage. Et que c'est pour la CGSOI, c'est plus leur programme d'éducation. Voilà, un fait très important. Avant le début de ce magazine, nous finissons gagner les temps, causer. Et vous finissez à moi que pour la tranche d'âge, donc 14 à 17 ans, pénaban test antidopage qu'ils ont fait pendant la compétition, avant ou après? Non, au fait, on n'a pas préconisé pour cette tranche d'âge-là, faire un test, surtout pour la CGSOI. Donc, les êtes mettent en phase. 70% sur WADA, sur le programme, c'est le programme d'éducation. 30% c'est test. OK? Mais là, nous nous concentrons au programme d'éducation, même pendant le jeu. Oui. Nous pouvons tout le monde le tel,
un site qui est athlète pour été, dans un stade. Nous portons une brochure, nous mettons une banneuse qui WADA préconisé avec UNESCO pour conscientiser les autres pas qui les fait tout ça comme on dit. Oui. Donc, là, nous vous donnons une brochure, un petit cadeau, nous faisons un petit quiz. Le dopage. Oui. Comme ça, nous avons l'enfance, nous avons des souvenirs, nous allons aller. Tout le temps, je vous imagine ça. Okay. Donc, cette transdase-là, je vais conscientiser le chose anti-dopage. Donc, allez, nous pouvons avoir une question qui nous propose où on dit 30% là dans le test. Moi, pour demain, nous allons nous réviner si pour un test ou pas. Donc, ça 30% là consistait en quoi et que, comment ça peut passer. Est-ce que 14 à, 3, à 17 ans, ça veut dire que je ne pas prendre aucun produit dopant. Donc, tout à l'heure, nous propose. Lola, docteur Adisha Bola, donc avec Zot pour la commission médicale actuellement, combien de personnes, combien de volontaires travaillent avec Zot? Est-ce que c'était la même Zot en contact avec les présélectionnés pour les jeux de la CJSOI? Bon, nous, l'équipe médicale qui peut couvrir les jeux en soi, nous avons à peu près 75 volontaires qui qui est déjà engagé avec, déjà engagé avec oui. nous, oui, et m'a remercié, c'est ma volonté là, pour ce travail qu'ils ont fait, qui est patriotique et qui est important. Bon, il y a une bonne expérience qu'ils ont tout simplement volonté qui pour gagner là. La semaine qui vient là, nous avons une Rugby Super Week qui peut faire, et durant cette Rugby Super Week là, nous pouvons avoir un formateur qui peut venir de l'étranger, parmi de l'Afrique du Sud et de Rugby Africa, qui peut donner un coup de main en forme nous, bonne volonté pour la CJSOI. Oui. Alors, nous prenons une première rencontre officielle, face à face, avec nos bonnes volontaires, quand nous pouvons établir une première, on dit une first line of management, comment nous pouvons faire. D'accord, site. Donc 75 volontaires, donc c'est à temps partiel qui va faire ça, qui se agit, qui se ensemble avec la commission médicale. Ce n'est pas tous les jours avec eux. Non, pas tous les jours. À temps partiel. Ouais. Donc, est-ce qu'ils bannent là, c'est 75 personnes qui agiront. Donc, en tant que first aider et tout, est-ce qu'ils étaient dans la base pour first aid ou bien ils ont commencé à zéro? Bonne volonté, c'est qu'ils m'ont gagné. Nous, assez lucky pour à peu près 50% de nos bonnes volontés, c'est mon médecin. Mon médecin qualifié qui travaille à l'hôpital et qui travaille aussi en privé et aussi à ministère de la Sécurité sociale. Oui. C'est ben du monde qui est déjà qualifié à port ben là nous avons un physiothérapeute et ben trained first aiders mais nous pouvons faire un refresh ça ben basic skills c'est qu'ils ont design là nous pouvons aussi faire une formation en BLS avec AED parce que tout le monde sait AED c'est un défibrillateur qui nous servit en termes communs. Oui. Tout nous ben nous avons un site pour assez bien équipé en termes tout mon survival equipment et mon médicament qui nous est là. Oui, très bien. Pravin Duman, vous êtes Doping Control Officer, responsable de la commission antidopage. Donc, vous pouvez dire, lié un peu plus tôt, concernant ban jeune, ban adolescent entre 14 et 17 ans, pas fait un test antidopage. Donc, c'est que pour les jeux de la CJSOI ou bien c'est un norme international pour n'importe qui compétition pour sa tranche d'âge-là? Il n'y a pas de test d'antidopage. Non, dans certains jeux, il y a. Je veux dire, un championnat du monde d'athlétisme, les enfants. S'il y a un record, on fait. Oui. Par contre, nous avons demandé au WADA, au Bureau régional antidopage de lycée basé à Seychelles, nous avons envie de faire. Donc, l'Indien n'a pas besoin de faire test, faire programme d'éducation. OK? Comme on dit, tu as 30% là. Oui, 30%. 30% là, quand tu parles, c'est Maurice, c'est worldwide. D'accord. 70% c'est l'éducation, oui. 3% c'est le test. Donc cette éducation avec ban présélectionné ne finit commencer ou commencer, déjà cause avec fédération ne finit aller. Ouais. Nous encore et c'est un peu en haut. Uh-uh. Là tout le travail pour continuer donc, pendant la compétition. Qui se informe sa ban jeune là comme ça pendant sa ban session d'information là, qui se donne autre comme information comme ça. Première affaire, nous donne la liste qui prohibée qui chaque année changée par WADA. Nous avons un update. Ce n'est pas un thème trop technique. Est-ce que les jeunes arrivent à comprendre ces thèmes-là quand on dit à eux tel produit qui n'est pas qu'à apprendre? Est-ce qu'ils te connaissent ou bien ils te simplifient pour eux? Nous simplifions. Ouais. Nous ne pouvons pas donner un thème que ce soit compliqué. Nous donnons des trois exemples comme si. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont une tendance, pas des affaires qui s'en connaissent. Oui. Vous êtes dans le compteur pharmacie. Oui. Vous prenez un seul produit. Vous ne connaissez pas. Nous expliquons
qui procédure bien faire, c'est pas besoin de la carte en pharmacie, etc. etc. Donc, informe votre entraîneur, votre médecin, l'équipe, votre team manager, si vous avez un problème de la santé, de l'un côté un médecin, qui est une médecin, de une prescription, informe votre responsable. Donc, s'il y a quelque chose qui se voit pas comprendre, les autres viennent dans le bureau de National Anti-Doping Agency. Là, nous le conseillons. D'accord. Docteur Adisha Boula, votre commission médicale se trouve à Vakwa. Donc, moi, je peux demander, est-ce qu'en ce moment, déjà, on a un suivi avec les sportifs qui sont concernés par les Jeux, si y a Stella, vous êtes blessé, est-ce qu'il y a déjà un médecin par votre propre fédération ou bien vous êtes déjà là, pour l'instant, tout bon athlète qui est sélectionné, pré-sélectionné pour la CGSOI, je suis traitement contre nous à Sports Medical Unit. Également à Vakwa, oui. Également à Vakwa. Mais la, sous la commission médicale, il y a un département qui nous appelle Team Maurice Médical. Et ça, l'équipe-là, elle pour être, ça veut dire, elle est déjà quasi prêt. Il y a un premier meeting qui se fait ce samedi ici avec l'équipe de différentes fédérations. Oui. Il y a un grand rassemblement concernant les Jeux de la CGSOI à Côte d'Or. Voilà. Oui. Et c'est à partir de cela qu'ils commencent à entamer tout le steps qui font bizarre. OK, vous avez une riche expérience aussi de par les événements du passé. Et récemment, il y a quelques mois de cela, Maurice y accueillir les championnats d'Afrique d'athlétisme senior. Donc, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui font partie de cette commission qui pour engager pour les Jeux de la CGSOI et même les mêmes volontaires aussi, pratiquement? Ah oui, bonne volontaire qui était là pendant CGSOI. J'étais très enthousiaste et jusqu'à l'heure... Pendant championnat d'Afrique d'athlétisme. Championnat d'Afrique d'athlétisme. Et effectivement, je toujours répondu présent pour la CGSOI et encore un gros merci à eux. Pravin Douman, donc, oui aussi... où on a une très riche expérience dans le domaine d'antidopage, où on vit plusieurs événements au niveau continental, au niveau international. Là, et avant mon cause ou expérience pour Jeux du Commonwealth qui s'y fait de Birmingham, j'étais aussi dans le championnat d'Afrique d'athlétisme senior qui s'y fait de Maurice il y a quelques mois de cela. Donc racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous êtes l'effectif qui travaille pour sa grande compétition. J'imagine que c'était un grand challenge pour vous. Comment ça s'est passé? Pour le championnat d'Afrique, vous me dites là. Oui, d'athlétisme. Le championnat d'Afrique, on était 7 mois avant, nous finissons pour se préparer. Nous sommes formés de personnel, au moins une quinzaine de personnel. Oui. Et puis, nous, tu peux faire, quand nous peux faire contrôle hors compétition, tu peux venir faire pratique. Donc, vous êtes tous accrédités maintenant. Nous avons l'équipe qui a une poule, nous choisirons, nous prenons à chaque fois, nous bien servir. Et par contre, pour la CGSOI, nous servons pour le programme d'éducation mondiale. Mais le championnat d'Afrique d'athlétisme, c'est un grand événement. C'est un représentant de South African Institute of Drugs and Sport qui est venu. Quand même, parce que tu es un athlète de haut niveau, de niveau bien mondial. Tu es un record africain qui est cassé pendant cet événement. Tout le record, nous faire. Justement, j'allais vous demander, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont take athletes at random ou bien les systématiques, tout passe avec eux? Comment ça va passer? Non, normalement, ils at random. Donc, c'est le coopérant qui vient de Sud-Afrique et c'est lui qui vient. Il y a une mission order qui échoue tous les jours avant la compétition. Il n'y a tant, personne ne connaît ça. Oui. Il échoue mission order là. Là, nous, comme responsables, nous déléguons le work to the chaperon qui fait tel du monde, ce test, tel lien. Nous t'amener à nous, nous faisons ça. Donc, obédiemment, at random. Et en donc, général, oui, si mon cas, Docteur Anissa Moula, oui. WADA, il y a 3 types de sélection. Premier type de sélection, c'est comment M. Douman, il dit at random, comment nous ne pas connaît qui sont là, WADA, pour capable, comment dire, déléguer, oui. Pour le faire effectivement, pour un test. Deuxième type de sélection, c'est un athlète qui, allons dire, un peu yellow flag, red flag. Ça veut dire un athlète qui est déjà, allons dire... Testé positif? Non, pas testé positif, mais un athlète qui... Il y a beaucoup de whistleblowers, une fois, dans WADA, qui est important et qui, WADA, cette propre information, ce travail, cette propre recherche, qu'ils connaissent, tel athlète ou sportif, bien suivre. Bien suivre. Oui. Et une fois, on connaît une quantité de règlements qui la WADA
WADA mettait, comme par exemple, Monsieur Duman, pour qu'il nous donne un peu de détails plus là-dedans, ou pour besoin de déclarer ban whereabouts, ou pour besoin, ou on a, comment dire, un type de conduct qui est un athlète qui besoin et si ban athlète là, il fail pour à sa ban, réglementation là, voilà. Ils tombent dans ça la liste, allons dire, yellow flags and red flags, et sa ban athlète là, ils sont ciblés à être. À être passeport sur test anti-dopage. Oui, voilà. Oui. Et troisième type test qui WADA préconisé, c'est quand on a un breakage and records. Voilà, quand on a un record. Chaque fois quand, oui. Voilà, mm-hmm. À chaque fois qu'on a un record qui est cassé, il est important, il est impératif qu'il y ait un test anti-dopage suivi pour qu'on confirme la méthode. Pour homologue le record, oui. Nous besoin faire test. Obligé, sans passeport pas, par voilà. Le test. Et puis, il y a l'International Testing Authority. Qui, comme le docteur dit, il est au courant tout le monde whereabouts d'un high level athlète. À any moment, les gars voyons Michel Oder, ils vont tester un athlète dans telle fédération. Ils voyons Michel Oder le matin, il donne des ou. International Testing Authority avec International Federation of each sport discipline. Oui. Donc, il a toute l'information le whereabouts. D'accord. And failing to give information le whereabouts, c'est une sanction. D'accord. Donc, tu peux raconter nous autres l'expérience concernant les derniers championnats d'Afrique d'athlétisme signaux qui t'y fait dans Maurice, donc pour les Jeux de la CJSOI, les pas pour Paris. Donc, quel sera le rôle de la commission antidopage pendant même, du 4 au 11 décembre? Donc, combien de personnes il y a dans cette commission et qu'ils ont pour faire pendant les Jeux? Nous prenons au moins une douzaine de personnes qui vous basent dans l'hôtel que l'athlète restait, même au stade, nous prenons un chapiteau. Quand nous pour conscientiser mon athlète, quand je devais rentrer, je pense que je finis de sortir, nous pour donner un pamphlet, right? Nous pour avoir une banneuse que nous vous mettez, nous faisons faire un peu quiz, un petit gif, une peine, une cape, comme ça je le connais, ok? Mais testing itself pas point. Pas point. Parce que WADA, le radeau de l'océan Indien, pas préconise. Donc, vous êtes attendu à cette décision de WADA? Non, nous n'étions prêts pour faire test. Oui. Parce qu'avant de nous faire test, nous avons besoin de permission. Mais je dis, nous avons advice, nous avons besoin de faire test. Faire programme d'éducation plutôt. D'accord. Docteur Adisha Bola, donc 75 volontaires qui pour engager avec la commission médicale pendant les Jeux. Donc, Zotena a une collaboration avec peut-être les cliniques, les différents hôpitaux aussi pendant les Jeux. Et que, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, ce qui est bien commun. Soucis de santé, ben, problèmes de santé qu'ils ont gagné avec cette tranche spécifique d'âge 14 à 17 ans ou qu'ils ont une riche expérience avec ben jeune. Bon, nous, effectivement, on a une collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons fait sortir avec Mme Kadresen, les PN meeting avec le ministère de la Santé, qui nous donne ce support, un maximum support de ce côté. Nous-mêmes, nous sommes more than happy quand nous sommes sortis dans ce meeting-là. Effectivement, nous avons un hôpital. Et nous prenons service ban hôpitaux qui pour force track pour nous. Nous prenons aussi l'aide du SAMU oui. Qui pour là pour nous ban major events. Oui. Nous prenons aussi le service outpatient qui bon voilà pour essayer de guetter ces autres caves gratuitement offert à ban pays s'équiper oui. Participer pas seulement oui. À l'île Maurice. Et voilà nous prenons aussi un coup de main avec le ministère de la Santé pour tout le protocole sanitaire, COVID-19 voilà, et autres maladies. Demander. Maintenant que les gestes barrières, nous avons déjà pratiquement peiné même, ils ont été enlevés, que ce soit Maurice ou les autres pays participants, le port du masque n'est pas obligatoire, social distancing n'est pas obligatoire. Donc, qui protocole COVID-19 pour mettre sur place qui pourrait en décembre? Alors, en décembre, enfin jusqu'à l'heure, c'est qu'il m'a dit à août, j'essaie bien qu'à changer jusqu'à décembre. Dépendant bien sûr de l'évolution, de la situation. Mais pour l'instant, ce qu'il nous préconisait, c'est parce qu'il y a une tranche d'âge qui est moins de 18 ans. Et effectivement, le ministère de la Santé, c'est une régulation. Nous pouvons stick to ban régulation, ce qui déjà est là. Oui, valeur du jour, justement. Voilà. Entre 14 et 17 ans, si un jeune là-dedans testé positif, c'est quoi le protocole? Ben, s'il est testé positif, il peut bien suivre le protocole sanitaire, ce que le ministère de la Santé met en place. Il peut faire son isolation et comment son isolation finit. Il peut bien retourner au pays. Mais ce qui est important, je vais mettre l'emphase, c'est que le protocole pour l'entrée dans nos stades ou bien nos sites sportifs, ça reste inchangé. Alors, du fait, nous pouvons obliger
stick to sa régulation-là. Oui. Et tout le monde adulte qui peut travailler pour la CGSOI, qui peut encadrer ces enfants-là, ils sont pas obligés d'être fully vaccinés d'après la loi mauricienne pour avoir accès à nos bonnes sites. Oui. D'accord. Ouais. Bon, rappelez-vous qui vous peut suivre l'émission CJSOI, la route des champions. Nous deux l'invités à Zodi, nous pécose sur tout le volet médical. Nous avons Pravin Duman, qui est doping control officer, et également responsable de la commission antidopage. Et nous avons aussi le docteur Adi Chabola, qui est responsable de la commission médicale. Donc, je vous propose de tester la vidéo sur le quatrième et dernier carnaval qui finit à lieu la semaine dernière à Maïbou, à Beauvallon. Donc, l'objectif de cet événement, c'était mieux informer le public, mieux sensibiliser lors la tenue des Jeux de la CJSOI qui peut être dans Maurice entre les 4 et le 11 décembre prochain. Tout de suite, nous guette le reportage de Koyal Sittel. Allure de carnaval dans les rues de Maïbou. Événement organisé dans le cadre des Jeux de la CJSEI. Ambiance de fête, colorée, où les différents groupes ont fait preuve de beaucoup d'imagination et de créativité. Sur le trajet Beauvallon Mall Maïbou Waterfront, on pouvait noter l'enthousiasme, l'excitation, assortie de chants et danses rythmées. Merci. Je prépare un peu de tout. Après, tu as une tâche pour qu'il nous content faire, comment on fait cycliste, comment on fait la boxe. Je suis très content que nous comptons bien venir dans nos pays. Je vais faire une médaille d'eau pour signifier Maurice ou gain. Nous pensons du bien bizarre, une activité pareille, surtout pour les jeunes. En première ligne, la mascotte des Jeux, Joy, avant le goût de la compétition des jeunes de l'océan Indien. Ce rassemblement vise à conscientiser le public sur l'approche des Jeux de la CJSEI que Maurice accueillera en décembre. On a à peu près 28 groupes venant de collèges, de ONG, de différentes régions et l'ambiance est top. Donc, je toujours encourage toute la population en décembre à venir soutenir nos athlètes dans tous les points de différentes disciplines. Allez, Maurice! L'ultime étape de ce carnaval qui a mobilisé plusieurs régions de l'île ces dernières semaines, en attendant le grand départ le 4 décembre prochain, les Jeux qui s'étaleront sur une semaine pour prendre fin le 11 décembre. Rendez-vous est pris donc à partir du 4 décembre prochain à Maurice, ici même, pour les Jeux de la CJSEI. Je vous rappelle les disciplines concernées par cet événement. Il y aura l'athlétisme, le handisport en athlétisme, le beach handball, la boxe, le futsal, l'haltérophilie, la natation, la pétanque, le tennis de table, le triathlon et la voile. Et concernant le concours culturel, il y aura l'Assemblée des jeunes, l'e-sport et le spectacle musical. Alors, nos deux invités, nous, l'émission Pétia, presque à sa fin. Une question en haut, Adi Chabola, docteur Adi Chabola. Quatre carnavals finis organisés par le comité organisateur. Donc, qui constat au fait? Comment on trouve le mood parmi le public? Est-ce qu'il se connaît un petit peu? Qui peut dans ce jeu-là, dans Maurice, dans deux mois? Comment vous trouvez? Ah si. Écoute-moi, il y a beaucoup d'enfants, enfin, il y en a trois. Et ça se... the buzz is here. Ça se ressent, pas comme les Jeux des îles, mais c'est là. Surtout avec les enfants, ouais. Nous connaissons le sport, et là, ça a l'élément unifier les gens, rassembler les gens. Nous faisons vivre en 2019 pour les Jeux des îles, comme Docteur Adi Chabola, Pédia, Pravin Duman, ou qui constat vous faites? Comment vous trouvez? Comment ça se passe parmi... Quel est le mood aussi parmi ban sélectionnés, ban présélectionnés, parmi ban public? Comment vous trouvez? On a l'occasion de jouer ban présélectionnés, on a la fédération. Je vais bien attendre le jour venir, parce que ban jeunesse, ça. J'ai envie de chaud. Je deviens champion. Et que le public peut conscientiser en fait avec ban caravane, ça c'est bien. Nous espérons, il y aura un stade nous, tout rempli, nous applaudissons du monde, et nous gagnons une médaille. Dernière question peut-être à Adi Chabola. Est-ce qu'il y a 14 commissions qui viennent mettre sur place par le comité organisateur? Est-ce qu'ils ont besoin souvent, qui dernière fois, quand on a une réunion dernière fois, donc est-ce qu'il y a une bonne communication entre les différentes, différentes commissions? Oui, bien sûr. Nous faisons un rendez-vous avec...
avec la commissaire des Jeux. Ça fait 2 jours de cela. Et effectivement, nous en communication constante. Oui. Oui. Et ouais. Pour, dernière question peut-être à vous deux, qui plus gros défi pour vous êtes de travailler du 4 au 11 décembre avec sa tranche d'âge 14 à 17 ans là, pour la commission médicale, qui plus grand défi? La question à Ouadisha Aboula. Alors, le plus grand défi, moi, penser, c'est... Enfin, Pena, non, il y a ce qui nous pensait, nous pas pour capable. Se parer à toute éventualité, ouais, nous là, l'équipe à, là. Nous parer, et nous, l'équipe, c'est une équipe expérience, c'est une équipe qui est là depuis les Jeux des îles, une fête des championnats d'Afrique. Nous lancer l'expérience, allons dire, pour capable, qui était pour n'importe qui éventualité, nous est là. Et ce qui est plus important, c'est que plus important, c'est qu'il nous ait une collaboration avec différents parties oui. Du gouvernement, oui. Nous ait la collaboration du ministère de la Santé, qui ça même les comment est strong enough pour quand même nous dans une situation. Voilà, commission aussi. Voilà. Oui, et où Pravin Dooman, donc, au fin de travail pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham, Jeux des îles, au fin de travail pour championnat d'Afrique d'athlétisme. Donc, cette fois-là, 14 à 17 ans. Donc, quelle expectation pour ou commission pour ce jeu-là? Expectation qui nous pouvons nous promouvoir un sport propre, fair play, comme on va la dire. Et que nos enfants pratiquent faire cette compétition propre, fair, et que vous êtes retournés dans notre pays tranquille. Très bien. Je vais t'apprendre quelque chose. La section updated antidopage, je t'arrive. On rappelle où l'information principale donc pour les jeux de la CGSOI, Papouena ban test antidopage as such comme affaire de ban grand compétition, ban compétition continentale voire internationale ban c'est WADA donc qui dont le siège se trouve pour le côté régional aux Seychelles. Donc ban là qui fin décider qui Papouena ban test antidopage pour les jeux de la CGSOI, mais je paye un forme ça ban jeune participant là bien en avant qui ban produit capable prend qui je pas bise à prendre donc l'information PFA dès maintenant. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre émission CJSOI, la route des champions. Merci beaucoup, docteur Adisha Bola, d'être venu. Merci beaucoup, Pravin Dooman. Donc, nous finissons à bord le volet médical et que le volet antidopage à Zordi. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.